La vraie fin de Mario ou Lizzie. Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Ta 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 la la ta ta. Petite hydratation, merci Bente. Hop là. WF Soren sur 4 courses, je l'ai battu une fois, GG. Petit étirement. Ok, qu'est-ce qu'on fait du coup? Est-ce qu'on va récolter 5 800 pièces et ça va durer longtemps? Ou est-ce qu'on va se faire le côté obscur de la lune? Qu'est-ce que vous préférez? En gros, je réexplique pour ceux qui n'étaient pas là. On est à... Ah, je peux pas voir. On est à 950 lunes, sachant qu'il nous reste une seule triple lune quelque part, et qu'il y a 999 lunes au total. Et que les seules qui nous manquent, c'est des lunes qu'on peut acheter dans la boutique. Avec Luigi, tu peux vraiment monter vite les pièces. Ok, on va essayer alors. Donc il nous reste 46. C'est ça, 46 lunes à acheter dans les boutiques. Donc 4 600 pièces à récupérer. Voilà. On peut voir Luigi ce qu'il nous propose, hein. Je sais pas exactement ce que c'est son truc. On va voir si ça va vraiment vite. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette tenue quelque part, elle te va tip top. T'as sauvé la prochaine speech, je vais maintenant faire t'avoir comme frangin. J'ai inventé un nouveau jeu, chasse au ballon. Dans le jeu dans lequel tu cherches des ballons cachés par des joueurs du monde entier. Nanana. Il faut des pièces pour jouer? Ah. Zone de départ. Chasse aux ballons en cherchant des ballons et en... ou en les cachant. Je propose de commencer par trouve ballon, c'est simple, tu dois trouver le ballon que j'ai caché. T'as 30 secondes pour trouver un ballon et le faire éclater. Compte à rebours se mettra en marche dès que tu sortiras de la zone de départ. C'était dur. Bien joué frangin, tiens, tu repars avec 50 pièces. Ah oui, t'as aussi un bonus de temps, ça te fait 80 pièces supplémentaires. Ah oui. Là, c'est moi qui ai caché le ballon, mais normalement, tu dois chercher les ballons cachés par les autres joueurs. Et pour jouer à Trouve Ballon, tu dois me donner quelques pièces. Autre règle, chaque fois que tu accumules 3 pièces, le temps imparti est rallongé d'une seconde. À Cache Ballon, c'est toi qui caches le ballon, frangin. Et ce sont les joueurs du monde entier qui cherchent. Tu gagneras des pièces à chaque fois qu'un joueur cherchera ton ballon jusqu'à ce que tu trouves, que quelqu'un le trouve et l'éclate. Tu dois cacher ton ballon en 30 secondes max. Le temps dont disposeront les autres joueurs pour le trouver dépendra du temps que tu mets à le cacher. C'est hyper compliqué, j'avoue. Tu peux utiliser tout ton temps et le cacher le plus loin possible ou te dépêcher et le planquer tout près d'ici à toi de voir. Ton compte à rebours se mettra en marche dès que tu sortiras de la zone de départ. Ah, il faut que j'aille cacher mon ballon. Ok, bah je sais où je vais le cacher. Un classique endroit nul. Voilà, là. Ouais, c'est sympa. Je peux avoir des pièces ou pas? Allez, on fait un trouve-ballon. Une partie de trouve-ballon. Prix de la partie 10, pièces à gagner, plus 200, 200, 300, 400. Allez. C'est parti. Oh, il est dans les blocs. Comment je les casse ces blocs déjà? Merde, attendez.
On est en train de jouer là. Ah! Mais je peux pas. What? Je sais pas comment on casse ça. Il fallait que j'aille chercher le T-Rex. Il y a certains ballons qui sont dans des murs, donc tu pourras pas avoir, mais en général on remarque assez facilement. Ouais, avec le dino. Mais c'est hyper chaud! Oh, j'ai récupéré des pièces! Ok. Plus un ballon te rapporte de pièces, plus il est dur à avoir. D'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Bah merde. C'est tombé. Merci pour les clap clap. Ce pays c'est pas le meilleur pour ce monde je trouve, pour ce mode je trouve. C'est quoi le meilleur tu penses? Oh, quelqu'un a trouvé mon ballon. Attendez, la vraie vie. Ok. Le pays des gratte-ciels est pas mal, ouais, je m'en doutais. Ok, on va faire ça. J'ai récupéré 500 pièces en pas trop longtemps, donc c'est pas dégueu, hein. Celui des chapeaux est sympa aussi. On va essayer le pays des chapeaux alors. Il est moins vaste. Attendez la vraie vie. Hein. Touloulouloulou, tout tout touloulou. Il est où Luigi? Un ballon que vous avez caché a été cherché une fois. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent à cherche ballon en fait. J'ai trop envie de manger des crêpes. Oh, j'avoue. Trouve ballon. Ouh, 260, c'est pas beaucoup. Ça coûte cher pour ce que ça rapporte. Allez, j'essaye quand même. $300. Aïe! Ah, sérieux? Mais j'ai plus la flèche! C'est super dur! Un autre ballon! Re-Aoko! Bah, ça avance semi, hein! Là, j'ai plus de temps. Peut-être un peu trop dur pour toi, celui-là, ouais. 200 mètres.
Aïe. Allez, cours. Je sais plus où était la flèche. C'est hyper chaud. Je trouve pas ça amusant du tout. Quand tu t'arrêtes quelques secondes, la flèche revient. Ah! Je vais retenter alors. Ah ouais, faut s'arrêter longtemps. Hein. Merde. Non. Je chiale. Bah du coup je le refais, tant qu'à faire d'avoir perdu des pièces, autant en gagner. Maintenant que je sais où il est. Ouh, si proche, ouais. C'est dur, hein. Ok, rang supérieur. Quel ballon veux-tu chercher? 35 secondes. Fabio. J'en étais sûr. Allez, descends. Mario, descends. Classique, finalement. Oh oh. Ça rajoute 42 pièces à ta cagnotte. Passer au rang supérieur. 250 pièces. Let's go. C'est classe, la chasse au ballon. Ouais, c'est exceptionnel. Hein. Quel feu! C'est faux. 39 secondes. Il est au même endroit. À tous les coups. Ah, peut-être pas. J'ai l'impression qu'il est dans le fog un peu. Quoique. Pas sûr. Je le vois. Boum. Ok. Ta 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 la ta. Ta. Oh, 350 points de rang. Ah ouais, ça c'est pas mal. Le passage de rang, c'est pas mal pour gagner de la thune. Hein. Ok. 40 secondes. On va prendre ce qui rapporte le plus et qui nous laisse le plus de temps, en vrai. Même si ça coûte cher. 369. Je le vois là-bas, je crois. Je le vois déjà. Je
Je crois que je l'ai vu. Ah non! Saloperie de mur. Poink. Yes. Globalement, ils vont tous être plus ou moins dans la même zone, j'ai l'impression. Hein. Tu as trouvé 4 ballons de suite, ça rajoute 171 points à ta cagnotte. Mais j'ai pas monté de rang, du coup. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est chaud. En 21 secondes, on peut tenter. On peut tenter. C'est pas le truc le plus fun, mais au moins, tu gagnes plein de pièces. Ouais, voilà, c'est ça. 345. J'ai l'impression qu'il est au même endroit. Genre là-bas, mais derrière la colline. Là, c'est sur tout le temps qui m'inquiète. What? Sérieusement? Comment il a fait pour le poser aussi vite? Je suis tellement loin. On va pas faire celui-là, hein. C'est le même? C'est le même. Oh, on peut faire plusieurs fois le même. Quel feu. Ta 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 ta. Mon Twitch qui veut m'instaurer du suspense en crachant et donc en relançant pub. Oh non. Aoko a de la pub. Arrêtez la pub. Laissez-la profiter du live, SVEP. Heureux. Ta 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 la ta. Tiao. 285 pièces. J'ai pas monté de rang. Arg. Ça c'est cher ça. 307 points. 307 mètres. Je le vois. Après, on va changer de monde, je pense. On va aller voir au pays des gratte-ciels. Dans la brume. Ponk. Il te faut combien de pièces? 4600, je crois. Bonus de temps. Deux ballons de suite, ça fait 34 pièces. Quel ballon veux-tu chercher? On change de monde? Ou on tente celui-là? On tente celui-là, il a l'air à peu près rentable. Ouais, il me faut beaucoup de pièces, ouais. 344. Je le vois pas, mais il doit être plus ou moins au même endroit. Oh non, barre-toi! T'es pas beau! Yes! Au pays des gratte-ciels, ça me fait peur en vrai parce que ça, y a beaucoup d'endroits.
Ouais, j'ai passé un rang supérieur. Quelqu'un cherchait ton ballon. Et je gagne un rang. Bon, allez. Au pire, je vais aller placer un ballon. Ok. Au pire, ça me fera des pièces supplémentaires. Oh putain. Mais... Je l'ai placé, je m'en fous. Ça me va. Pays des gratte-ciel, il est technique. On va peut-être trouver un endroit moins technique que le pays des gratte-ciel. Quel monde est moins technique que le pays des gratte-ciel? Ballon que vous avez caché au pays des chutes a été crevé. Ah. Quel pays est moins technique? J'aime bien le pays de Bowser, ouais, mais il est technique aussi. J'ai envie d'essayer le pays de la mer. Il est plat, au moins. Bon, il y a de l'eau, mais... Il y a des moyens d'aller vite. Et quand ton ballon est crevé, il rapporte plus de pièces après? Trouve ballon. J'attaque, ouais, à la flûte. Alors, voyons voir. Par là-bas, 200 mètres, il a l'air d'être sous l'eau. Je dirais derrière la montagne. Est-ce qu'il y a des mobs que je peux récupérer là? Oh, mais attends. J'ai une idée. Aïe! Mais c'est une blague! Pays de la mer, si tu vois un ballon à environ 280 mètres vers la falaise, le temps de passe est un truc assez technique à faire. Ok. Je fais une petite pause, je reviens plus tard. Le live dure jusqu'à quand? Il va durer jusqu'à 19h à peu près. Je pense après on va faire une run de Tinykin All Part. C'est à ça que tu pensais, Aimeré? À tout à l'heure, Aurore, en bonne pause. Je vais le tenter. Arrête! Ah oui, d'accord. Il était Il est dans la caverne. Faut prendre un monstre qui crache de l'eau, monter sur le pilier en faisant le moins d'eau possible et aller jusqu'au truc en haut. Monter sur le pilier. Ce pilier-là? Le ballon est à l'endroit du tableau. Ah les bâtards! C'est ce pilier-là? Ok.
J'ai envie de try. Le tryhard, mesdames, messieurs. Toujours. Donc c'est ce pilier, hein. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Dommage! Allez, ça m'a saoulé. Une fois que t'as la technique, c'est bon, mais au début, c'est pas évident. J'étais pas loin. J'ai peur qu'ils aient tous fait la même chose. 345? 345 là-bas? Ouais, il est en haut, quoi. J'ai pas pris la fleur. Je vais être emmerdé. Bon, ça pue. Non. J'ai. Ça va. Je m'en sors pas mal. Oh oh. Ouais. C'est la classe, la chasse au ballon. Ouais, de ouf. Peut-être ce monde est pas foufou finalement, hein. 164 par là-bas. Ça va le faire. Quoi? Quoi? Il est où? Hein? J'ai pas compris ce que j'ai fait. Il est en dessous, non? J'ai pas compris le délire là. Ok. C'est ce que je pensais. Je vais avoir un bonus de temps là. Bonus de temps, 50 pièces. Sans cesse par là-bas. Ok. Faisable. Légit. Où il est? C'est en dessous encore, c'est ça? Oh, j'ai compris où il était. Fait chier. Ça va être chaud. Il me faut un chip-chip. Ça passe! Moins de 1000 pièces et c'est bon. Yep! Je vais faire des crêpes, je te laisse en fond. Oh, bonne crêpe, Aoko! Hein, 90 pour 300 à 28 secondes. Je le tente. 203 mètres par là-bas. Très bien. C'est parti! J'aurais peut-être dû prendre une autre fleur.
Où il est? Il est là! Putain, j'ai cru qu'il allait pas le toucher. Ok, nice. Allez, normalement, un dernier, ça peut passer, là. C'est suffisant, non? C'est 4600 qu'il faut, hein. 146 mètres par là-bas. Très bien. C'est où? Allez, montre-moi. Pourquoi il me montre pas? Oh non, vas-y! Ah mais il est là! Mais je peux pas le toucher! Pourquoi j'ai pas envoyé mon ballon? Mon chapeau? Putain, je suis vraiment con. Je suis vraiment con. J'ai paniqué. Non, c'est pas ça. Comment il a fait pour le poser, le monsieur? Oh, ça marche pas. Ah oh, si, ça marche. J'ai eu peur. Oh, j'ai eu si peur. Ah, il m'en manque 200! Allez, j'y crois! 39 là-haut. On est là, hein. Est-ce qu'il est dans la flûte? Il est dans la flûte. Je pense qu'on est bon, mesdames, messieurs. Allez, on se tire. C'était une très bonne technique pour les pièces. Bien vu, Emery. Beaucoup plus court que ce qu'on aurait pu envisager. Elle est où la boutique ici? Ah oui, elle flotte. Elle flotte. J'ai acheté toutes les tenues grâce à cette technique. Ah, tu m'étonnes. On va pas le faire quand même, hein. Ce sera trop long, mais... il est là. Coucou Mimi! Comment ça va? Allez, c'est parti! Mersouille! C'est la fin du jeu, les amis. On y est presque. C'est bien ton live, Mimi. Quelqu'un qui sort d'une chasse de... De combien de tickets en combien de temps? 250 tickets. En 6 heures, bah let's go, hein. Et t'as rien trouvé? Oh non, la touche majuscule. Allô? Merfouille. La super pêche, ouais. Maintenant, faut que je les achète une par une, ça va être super. Normalement, je peux en acheter 6. Pourquoi il me fait la cinématique à chaque fois? C'est lourd. Thank you.
Ça va bien. J'ai PB sur Mario Kart. Sur le tournoi de Ponce, j'ai fait 237. C'est mon meilleur score ever. Je suis content. Ouais, je suis content, Mimi. Yo! Et là, on va finir à 100% Mario. Ah non, faut que j'aille au pays de la cuisine pour posséder un mec aussi. Je sais pas qui. C'est ma dernière transformation. Transforme le monsieur de la TV. Bah, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, Mimi. Normalement, il en reste plus qu'une. Sinon, c'est que j'ai mal calculé. J'ai mal calculé. J'ai peut-être mal calculé. Oh, sérieux. Ou alors c'est que tu peux en acheter à l'infini même si... c'est juste qu'à un moment ça compte plus. Pourquoi il y a un Goomba pirate là-haut? J'ai mal calculé? Salut Perse, comment vas-tu? J'ai mal calculé ou pas? J'ai un doute. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Aimerais? Allô? Oh, des pièces. Comment ça va, Perse? Bienvenue parmi nous, au passage. J'ai pu en acheter une de plus. C'est normal ou pas? Du coup, j'essaie de récolter assez de pièces pour en avoir 100. Et retenter le coup. C'est sympa, du coup je follow. Oh, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Perse. Merci, bienvenue parmi nous. Bravo à toi. Ça fait très plaisir. Et merci, Barbu, également. Merci à toi, Barbu. J'avais pas follow, dis donc. Bah alors. Oui, tu peux en acheter plus, mais dans l'OTC, ça affichera maximum 999. Ah! Donc autant aller... Attends, je vais en acheter une dernière, voilà, j'ai 100. Vous montez d'un rang, allez voir Luigi. Luigi? Bah alors, Barbu. Merci pour les follows, ça fait très plaisir. Ok, je vais acheter les dernières. Comme ça, on est à 999. Et à 999, on va péter la tronche du côté très obscur. Et on finit.
comprends pas pourquoi j'avais Arnaud dans mes recos mais pas dans mes follow. Étrange. Ah, c'est parce que c'est une nouvelle chaîne, du coup, j'imagine. Tout le monde n'a pas eu le réflexe, je pense. Y a peut-être des gens qui sont perdus qui pensent que j'ai arrêté le streaming. Bon ben, on est bon, hein. Normalement, ça devrait afficher 1000, mais ça va afficher 999, c'est ça? Mais oui, c'est ça. C'est vrai, toi, tu changes pas, mais la chaîne, si, c'est ça. Ok, on est au max. On a collecté, tiens-toi bien, 999 lunes. Là, je crois qu'on peut se dire bravo, et plutôt deux fois qu'une. Ça me fait penser que j'ai une petite surprise pour toi. Va donc voir au château de Peach. D'accord. Ah oui, non, je me souviens, c'est un feu d'artifice à la con, je crois. On verra ça après. Ouais, c'est ça, c'est pareil, pas pareil. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu ne pas posséder ici? Il me reste une champi-morphose à trouver. Regardez, je vous montre la liste. Champi-morphose. J'en ai 51 sur 52, il me manque la 41. Qui se trouve entre le pays de la cuisine et le pays de Bowser. Donc il y a un truc ici que j'ai pas possédé. Sachant que j'ai possédé les boules de feu, les chourfettes, les frères marteaux et de la viande. Qui manque un truc. Ça m'étonne de trouver que maintenant c'est vraiment cool ici. Bah merci beaucoup père, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment très très sympa. La chaîne est assez neuve en fait, ça fait 2 ans que je stream, mais pendant 1 an et demi on était sur une chaîne à deux avec mon meilleur ami. Et là, on est parti en solo chacun sur nos chaînes, donc la chaîne est assez récente en soi. Cette chaîne a 2 mois. C'est pas lui, lui je l'ai déjà possédé au pays de la forêt. Qu'est-ce que ça peut être en vrai? Merde. En tout cas, ça fait très plaisir, Perse, que tu te plaises ici. Qu'est-ce que j'ai pu ne pas posséder? Il y a des plans de piranha, mais je l'ai déjà fait. Il y a les chourfettes. Il y a les plans de piranha. Qu'est-ce que ça peut être? T'as pas un petit indice, Aimerait? Ça? Non, ça je peux pas, ça. Ça se possède pas, ça. Qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être un truc que t'as déjà eu mais d'un autre type. Un truc que j'ai déjà eu mais d'un autre type. Les boules de feu. Les frères marteaux. Y a pas de poisson ici. C'est des plans de piranha spéciales. Un truc que j'ai déjà eu, mais d'un autre type. Je l'ai déjà fait une fois, le 100%, ouais. Je l'ai déjà fait une première fois, il y a très longtemps, mais pas en live. Pour moi. Et là, on est sur le point de le finir à 100%, mais il manque un mec à posséder. Un truc que j'ai déjà eu, mais d'un autre type. Aïe, dommage. Trop loin.
Un truc que j'ai déjà eu, mais d'un autre type. C'est dommage, c'était beau. Ouais. Je suis un peu déçu de ma performance. Comment tu les possèdes, elles, déjà? Déjà. Mais c'est pas les plantes piranha, hein. Je pense pas que ce soit ça. Peut-être un autre indice, aimerait. Oui, ça va, calme-toi, Mario. Hein. Ça, je peux pas les posséder. J'ai peur que mon indice soit trop évident. C'est pas grave en vrai. C'est pas grave, tu peux y aller. J'accepte. Ouais, on a un Discord bien sûr. Attends, je vous mets les. Je vous remets les réseaux. Le réseau, le Rézal. Si jamais vous avez envie de rejoindre le Discord. Avec tout plein de gens mignons et gentils. Aïe! Le monstre est présent dans un autre monde, mais il a un type différent. Présent dans un autre monde, mais il a un type différent. Le chip-chip, il n'y a pas de chip-chip. Ça, j'en ai pas vu. Merde, je vois pas. L'autre monde, c'est le pays de la forêt. C'est lui? Ou lui? C'est l'un ou l'autre. Ou alors c'est lui. C'est bon les crêpes. Oh là là, j'ai fait une pâte à crêpes au chocolat. Quel délice. Waouh. Quel plaisir. Merde, qu'est-ce que ça peut être? En vrai, il est pas si évident que ça, cet indice. Ça, c'est des plantes piranha encore, donc non, j'ai déjà. T'étais dans la bonne zone tout à l'heure. La première porte où je suis rentré? Ou derrière la cascade? C'est fait pour Discord, vous discutez sur quel salon? Bah, le salon privilégié, c'est le général, mais après, on a des salons pour à peu près tous les sujets, si tu fouilles un petit peu. Quelqu'un veut une livraison de crêpes? Ah ouais, de ouf, frérot! S'il te plaît. Derrière la cascade. Il y a un truc ici d'un autre type.
déjà eu. Et qui est présent au pays des forêts. Je vous enverrai bien les biennes, mais elles sont contaminées du coup. Ah non, elles sont covidées. Analyse bien les monstres du pays de la forêt. Attends. Toxipiranha. Donc c'est bien ça, depuis le début. C'est juste que c'est des piranhas toxiques, et là on a des piranhas de feu. Aïe, mon cul! Mon bon cul, à l'aide! Oh bâtard, il m'a bien eu. Je pense pour les posséder, il faut qu'elle bouffe un rocher. Attendez, il y en a une là-bas qui est peut-être un peu plus évidente. Je vais crever. Si c'est un covidou pas méchant, je prends. Oh, les petits covidou! Non. J'ai, c'était ça! Oh là là, la diff. Pyro Piranha. Oh la différence, quoi. Pas ouf, hein. Merci pour les clap-clap. 3 jours, au moins 38 de fièvre, tout, nez qui coule, courbature, grosse fatigue, maux de tête, tu prends. Ouf. Allez, on va faire la fin! It is time to do the fin. Mesdames, messieurs, la fin du jeu. Est-ce qu'on va avoir le temps? On va faire juste une run de All Parts de Tiny Kin après, je pense. Hein. J'aurai pas le temps de faire du 100%. On fera du 100% mardi, peut-être. Je sais pas. Livraison de crêpes pour Mimi. Ok, on y va. On est venu vous soutenir. Qu'il en faut du courage pour venir jouer les héros par ici. Ah, carrément. Fais gaffe à toi. Ok, j'ai peur. Ils font un concert sur la lune, bordel. Nous aussi, nous sommes venus t'encourager. OMG. Je m'en souvenais, mais c'est stylé. Ok. Mesdames, messieurs, je sais pas ce qui nous attend, je me souviens plus. Mais c'est parti! Ok. La pesanteur est plus forte ici. Très bien. Je pense que j'ai pas la hauteur. Attendez. Je sais ce qu'il nous donne, lui. Et j'ai bien envie de l'avoir. Allez, viens par là. Aïe, c'est pas grave. Reviens. Comment vous faites le clap? Tu tapes point d'exclamation clap dans le chat. Bébou. Quel naze. C'est pas grave, ça commence très bien.
Tout va bien. C'est rien, je m'en veux un peu, mais tranquille. C'était pas à ce moment que ça devait arriver. C'était parfait, le timing. Le timing était nickel, Perse. C'est validé pour moi. Trop loin! Fuck! Dommage. Ok. On va en avoir besoin. Ok. Merde. Merci Vente. Ok. Ok. Tout va bien, je vais bien. On va bien se marrer. Oh putain. Oh, oh putain. Dommage. On sait qu'il y a un cœur ici, c'est bon à savoir. Geo-Gym, grave. Sauf qu'on n'est pas dans un désert, nous. MDR. Dommage. Je pense que j'en ai besoin et que j'ai pas le choix. Ok, super. C'est pas grave. C'est le plus dur des niveaux, mesdames, messieurs. Y'a pas un cœur qui traîne? Si. C'est bon à savoir. On repère. Petit repérage. Merde. Oh, je vais bien. Ça me touche les pieds. Je m'en sors bien. Je m'en sors pas bien. À l'aide. À l'aide. Ça s'annonce mal, hein. Ça s'annonce très mal. Tu verras, le truc le plus dur, c'est la longueur, mais tu t'en sens pas trop mal pour l'instant. Ouais. Je me souviens que c'est très très long, ouais.
C'est pour ça qu'il nous faut lui. J'ai peut-être moyen de l'enchaîner rapidement si je me débrouille bien. Oh, c'est pas juste, vas-y. C'est bon. Ok. On y va, let's go. On va être prudent. Je suis concentré. Ok. Merci. Ah ah. Putain, l'élan. C'est dur. Ok. Ok, full vie. Tout va bien. C'est les petits monstres le pire truc là. Oh non. Ok. Ah. Ok. Ah, ça marche comme ça. Très bien, j'étais pas sûr. Ah merde. Ah. Ah, bonjour Erwan. Bonjour le raid, bonjour tout le monde, comment vous allez? Comment ça s'est passé ton live Erwan? Bravo pour le raid, merci. Ça fait bien plaisir. Je suis sur le niveau le plus difficile de Mario Odyssey, on est sur la fin, les amis. Je suis en double. À boubou. J'espère que c'était cool ton live, Erwan. Cucu. Alors, comment ça se passe, cette aventure Twitch? T'es content? On anticipe. On anticipe. Ok. Ok, ok. Tout va bien. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Tu veux toi?
Le couvre-chef qui t'accompagne, as-tu des réponses car j'ai des questions? Quel est le seul pays dans lequel je n'ai jamais, moi, le sphinx, posé mon auguste séant? Pays de Bowser, je crois. C'est bien passé, merci, trop cool. Ah! C'est pas très utile, mais ok. Est-ce que je garde Yoshi? Je pense pas, hein. Je pense que c'est pas nécessaire. Pour le moment, on n'est pas trop mal. C'est calme, mais c'est le début, donc ça va. Ah bah oui, normal. Tout à fait normal. Oh là là. Quoi? Oh, c'est horrible! Oh, c'est horrible! C'est horrible! Mais... mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais qu'est-ce que tu veux faire, frère? Merci Erwan, c'est gentil. Oh là là! Non! Je suis mort. C'est super dur! Il n'y a pas de sauvegarde, j'imagine. Je reprends au tout début, c'est ça? Oh là 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 là! Quel enfer sur Terre! Ok, vous savez quoi? Je prends un risque. Je prends un risque. On va peut-être même pas faire de Tiny Kin. Parti comme c'est là. Ouais, super. C'est pas évident, hein. Merci, Perse, c'est gentil. J'y travaille, en tout cas. Il est où le cœur? Ah, merci. C'est réel. C'est gentil. Allez, prise de risque. On prendra nos 3 points de vie supplémentaires au niveau du Sphinx. On commence à maîtriser à peu près le début. Oh là là. Reaxia, salut Wellrod. Comment vous allez? Merci Perse. Comment il va Wellrod? Ça passe. Je sens bon maintenant. C'était une bonne douche. Ah. La douche d'Axia, quoi. Ça passe. Un beau dimanche en perspective. Mais quel feu! Ça fait plaisir à entendre. Aïe, aïe, aïe. Quel plaisir. J'ai eu le raid de Mimi. Trop sympa, Mimi. C'était ton premier raid, Erwan. C'est ça. Mimi first raid. C'est stylé, quand même. J'ai mal timé. On a colorié. Sympa, ça. Très très sympa.
Pourquoi j'ai besoin d'appuyer là-dessus, honnêtement? J'ai pas compris. Ah, parce qu'il y a de la vie. Je m'en fiche, je vais au Sphinx. Ouah, j'ai cru que j'allais tomber. Oh, il est ouvert! Énorme. Gain de temps incroyable. On est de retour là où on en était, mesdames, messieurs. Merci, Perse. J'ai très peur. On va pas se mytho, j'ai très très peur. Faut connaître par cœur, quoi. Là, je connais pas. Oui! Oh non! Oh non! Oh non! Oh, il y a plein de mouches partout! À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Ok, ça va, c'était pas le pire. Ok, là ça va être sympa aussi. J'ai envie de faire de l'art-thérapie aujourd'hui, mais let's go en vrai. C'était cool. T'es content ou pas? Du coup, comme j'ai un livre que j'ai jamais fait, let's go en vrai, bah grave. Hein. C'est une méga bonne idée de faire ça en live, j'avais jamais pensé. Bah ouais, trop bien. Merci pour les GG. Ok. J'imagine qu'à la fin, il y a un gigaboss bien chiant. Oh merde. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je time. Oh, putain, mais je l'ai pas vu, mais je suis stupide ou quoi? Ça fait trois fois. Ça fait juste trois fois en fait. Oh non, ouah, c'est si dur. Ah, mais putain. Je vais crever là. Il n'y a pas de checkpoint.